Philippe Gomez, quelles sont les conclusions de cette réunion sur la sécurité au ministère de l'Intérieur ? Les conclusions, elles sont exceptionnelles, puisque on a eu une écoute, et puis maintenant, on a des résultats très significatifs. Plus de 50 postes de policiers et de gendarmes sont créés et seront affectés en Nouvelle-Calédonie dès le début de l'année 2017. Le renforcement également des moyens matériels qui sont à la disposition des forces de sécurité. Le financement également en revue des gendarmeries, celles du Mont d'Or, de Dambéa, de Païta et de Bouraille. Et puis de manière plus générale, les trois ministres qui viennent dans les mois à venir, le ministre de l'Intérieur, début 2017, le ministre de la Justice, parce que on doit faire des efforts en termes de renforcement des effectifs au tribunal, mais également au centre pénitentiaire. Et puis enfin, la ministre des Outre-mer, là pour autre chose, qui est aussi indispensable, c'est un plan de prévention de la délinquance et que l'État nous aide, la création d'un établissement public d'insertion de la défense, l'augmentation des capacités d'accueil du RSMA, beaucoup d'autres choses pour éviter que nos mineurs, qui pour une part aujourd'hui se perdent dans des conduites addictives qui finissent dans la délinquance, demain puissent être remis dans le droit chemin. Et puis enfin, pour Calédonie Ensemble, on a une petite cerise sur notre gâteau, c'est qu'on demande de très longue date la création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile, et que cette fois-ci elle est créée, elle sera opérationnelle en 2017. Donc on est très heureux, s'il y a un pays, une partie du territoire de la République qui avait besoin de cette brigade, c'est bien nous. Un mot aux Calédoniens qui s'inquiètent pour l'avenir ? Ne pas s'exciter, je comprends bien sûr qu'il y ait une exaspération, mais l'excitation, elle n'apportera rien à notre pays, sinon peut-être le cas échéant des désordres supplémentaires. Donc, comme on dit à la fois, faire refroidir la culasse, pour ceux pour lesquels elle serait un peu trop chaude, et prendre en considération les moyens nouveaux que l'État met à notre disposition pour pouvoir lutter de manière plus efficace contre la délinquance. C'est une bonne chose pour notre pays qu'on ait un gouvernement qui nous ait entendu également de manière concrète. Donc il faut prendre ça en considération. Alors après, pas du jour au lendemain qu'on va se retrouver en Suisse. Hein. La Nouvelle-Calédonie, elle a une histoire, il y a un contexte, il y a un certain nombre de choses qui aussi expliquent tout ça. Mais pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a des tentatives d'instrumentalisation de part et d'autre d'ailleurs qui sont à l'heure actuellement en cours. Je crois qu'il ne faut surtout pas y céder, on doit rester responsable. Et en tout cas, c'est l'esprit de responsabilité qui anime Calédonie Ensemble.